Des explosions dans la nuit et le bourdonnement des drones israéliens dans le ciel de Jenin. L'armée israélienne vient de lancer ce qu'elle appelle une vaste opération antiterroriste. La plus importante du genre dans cette ville de Cisjordanie depuis une vingtaine d'années. Après une série de frappes aériennes, des centaines de soldats israéliens prennent d'assaut le camp de réfugiés de Jenin. Une minuscule enclave, densément peuplée, où s'entassent plus de 14 000 Palestiniens dans moins d'un kilomètre carré. Le raid vise les brigades de Jenin, un groupe militant palestinien que l'État hébreu juge responsable d'attaques contre des colons israéliens. Le nombre de morts et de blessés monte rapidement. Les ambulanciers sont débordés. Celui-ci affirme avoir été confronté à de véritables scènes de guerre. Dans les rues de Jenin, le choc initial laisse vite place à la colère. Dans les rangs des milices armées, la résistance s'organise. Le premier ministre palestinien, lui, dénonce un crime israélien. Avec cette agression, dit-il, Israël poursuit les actes de terreur et les attaques perpétrées par les colons. Le premier ministre israélien, de son côté, parle d'une opération ciblée et affirme tout faire pour protéger les civils. Jenin has become a safe haven for terrorists. Benjamin Netanyahou dit n'avoir pas eu le choix d'intervenir parce que, selon lui, Jenin est devenu un refuge pour des terroristes palestiniens qui attaquent des civils israéliens. Murdering Israeli civilians. Une opération qui pourrait se poursuivre pendant plusieurs jours, l'armée israélienne annonce son intention de rester aussi longtemps qu'il le faudra. D'ores et déjà, les dommages sont importants. En plus des immeubles bombardés, des bulldozers blindés ont détruit des routes, des maisons, des canalisations. Mais surtout, cette incursion marque une nouvelle escalade de la violence en Cisjordanie après des mois de tensions. Depuis le début de l'année, près de 200 Palestiniens et 25 Israéliens ont été tués. Et la situation actuelle ne montre aucun signe d'apaisement.